Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de Total War Throne of Britannia. Alors nous sommes toujours avec les Hébrides, nous avons gagné une jolie bataille hier, voire même deux, mais la deuxième c'était une bataille de merde. On va rester dans la ville, j'ai envie quand même qu'on récupère ces conneries, qu'on récupère des troupes, parce que sinon ça va pas le faire. On pourrait peut-être même recruter des nouveaux. De quoi on aurait besoin? Bah d'une tête de cavalerie déjà. On pourrait peut-être attendre d'avoir un peu d'argent et avoir l'Ird armé de lance, ça pourrait être sympa. Peut-être des archers supplémentaires ou d'une petite escarmo, je sais pas trop. Dégâts les tirs 28, dégâts les tirs 37 ici quand même. Tu peux suivre une donnée pour améliorer l'affinité de tes partisans. Faire ça. Tac, bah un domaine, j'ai déjà donné des domaines là en soi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si on en donne trop? Explique-moi tout, parce que là, tous mes domaines ont un gouverneur. Dont ce connard là, qui a un domaine et qui n'est pas loyal. Mais j'ai pris pour son trait en soi. Bon, dans tous les cas, on va rester comme ça. On vérifie qu'il n'y a pas d'autres armées autour. Ça n'a pas l'air. On a notre allié qui fait le taf ici. Très très bien. Très content toi. On va passer le tour. Fin de l'épisode. J'ai déjà fait la fin de l'épisode, mon petit agent d'histoire. Je te remercie. J'aimerais bien être en guerre par contre avec les... En paix avec les mecs au sud, ce serait pas mal. Et également avoir un peu plus de troupes. Parce que 15, c'est pas beaucoup, mais on n'a pas assez de nourriture. J'espère que je pourrais construire des bâtiments pour la nourriture juste après. Faudrait qu'on économise à ce moment-là. De toute façon, là, c'est un domaine de mer, vu qu'il n'y a qu'une seule ville. Les deux autres villes sont contrôlées par notre allié. Je sais pas pour où est-ce qu'on pourrait passer. Okay. Parce que là il y a un pont, là il y aurait un pont. Donc à la limite on pourrait attaquer par le sud également. Et laisser notre allié se démerder au nord. Et également donc lui laisser cette province. Ça pourrait être intéressant. Et nous on attaquerait au sud. Ah non en fait c'est les 4 hein. Bon, puis on lui pète la gueule. Alors, prends un cycle de se rebeller, la loyauté, voilà. On a plus 500 d'or par tour, c'est pas beaucoup. Si on a son gueule, tu peux avoir un otage. Si la faction d'où vient l'otage te déclare la guerre, tu es exécuté. On peut rien construire parce qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent parce qu'on ne peut rien construire. C'est beau. C'est beau. Bien construire un bâtiment qui donne de l'argent ici, par exemple. Non. Les églises, ça donne de l'argent? Si j'ai bien compris, les domaines, pas les gouverneurs, si tu vas faire rectangle tout en droite. Ouais, donc les domaines. Tu n'as pas fini ta phrase, du coup. Oui, j'ai bien compris qu'il y avait des domaines. Tac. Donc on a 3 domaines pour l'instant. Ah non! Bah ici, si, on a 3 domaines pour l'instant qui sont contrôlés par 3 de nos mecs. Ça permet d'avoir des bonus ou quelque chose du genre. Je sais pas encore. Après, est-ce que c'est considéré comme un gouverneur de coup? Oui, c'est ça. Le gouverneur de... C'est un gouverneur donc. C'est un gouverneur. Alors là, on va continuer à récupérer tout ça. Est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on recruterait encore? Parce que ça commencera à faire cher. Ça fait combien d'entretien en fait les archers? C'est 20 d'entretien. Ah non, c'est 50 d'entretien. Vraiment pas beaucoup d'argent quoi.
Sur quoi on pourrait capitaliser de l'argent? Sur l'église? Ah, c'est toutes les provinces de la région, donc ça ne nous intéresserait pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? On peut pas faire de bâtiments supplémentaires. A plus, agent du temps. Plus 3% de commerce. Ce serait pas forcément intéressant. Là par contre, c'est intéressant. Faire des mines. Donc 1300. Il faudrait qu'on attende 2 tours pour ça. On va faire ça. On va devoir attendre 2 tours. Et on va essayer de booster un peu avec les mines. Salut Alan! À Emile, je sais qu'à Imberniz, il y a des mines également de sel, si je dis pas de bêtises. Je te demande si ça pourrait pas être intéressant d'aller récupérer Imberniz. Bon, tu n'as pas de domaine. Les domaines ne sont pas étroits régions, tu es à Paris, sont représentés par des plumes sur tes régions. Non, mais c'est ça. Attends, je te refaire voir après. Obtenir opulence, bah merci. C'est quoi? Influence et gouvernance, ok. Ulaid. C'est qui est Ulaid? Et le? Ça va, c'est grand. Tour et changement de tour infini? Non. Ouais, toujours et changement de tour infini. Attends, du coup, faction et domaine. Voilà, donc ça c'est mes 3 domaines avec lesquels j'ai les 3 gouverneurs du coup. Vis-à-vis. Donc lui toujours fait, mais bon tant pis, hein. On s'en occupera plus tard. Ce qu'on va faire, c'est que prochain tour. Ouais, prochain tour, on va attaquer Imberniz parce que là, on est l'hiver, j'ai pas envie de prendre de l'attrition. Ce qui me permettra de récupérer encore un petit peu en plus. Ravitaillement au niveau très bas. On est dans notre province pourtant. Après, je suis un peu, 240p, donc j'ai un peu mal à pouvoir. Tu m'étonnes, t'as de mal à pouvoir. La musique est très sympa, très reposante. Ah, un mariage. Plus 2 en loyauté? Bah ouais. Pourquoi je dirais non? Allez, carrément. Et du coup... Ah non, Imberniz, il a été pris par le pote. Putain. Depuis quand l'IA fait le taf? M'explique. Tant pis. On va aller sur Apple Cross. Et on va augmenter les mines de cuivre. Et du coup, eux, on pourrait... Allez, à la limite. Jusque là. Le sang de nos ennemis va couler. Se fortifier. Quand il veut très bon ravitaillement, ça m'embête. Pourtant, on est dans nos frontières, je ne comprends pas. Faut qu'on ait une province complète pour avoir un niveau de ravitaillement suffisant. Ce serait étonnant quand même. C'est étrange. Dans tous les cas, on va aller attaquer du Neckstein. Il y a 10 unités ici, donc c'est bien. Comme ils sont toujours en guerre au sud. Et ils sont en train de se faire bouffer ou c'est moi? Regardons un peu ça.
Oh putain, Renforce 2. Ah ouais, ils ont... Il rentre force 10 ici. On est passé rentre force 12. Oh la vache. On n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Rentre force 7, toi tu veux vraiment envoyez pas être mon pote en fait. Vous et vos paroles. Intéressant. Vous foutez-moi hein. Et merci Yuri Duty qui est citoyen d'Imperium. Insultant. Bah écoute, on va déjà faire un petit pacte défensif. Autorisez-nous l'accès à vos terres. Ouais, avec un pacte défensif. Nous ne voulons pas d'union maintenant. Tu te fous de ma gueule? Bah t'auras pas accès à mes terres, ça tu peux aller te faire mettre, ça. Faut arrêter de déconner. Bon. Du coup, on a 17 de tribus. Et on a un plus qui a avancé par là. Alors, on n'est pas super bien parti. Et effectivement, j'aimerais bien attaquer l'allié. Du coup, ce que. L'allié a l'air plus puissant que moi maintenant. On est en guerre contre le Renforce 2. Ça peut être vraiment compliqué. Va vraiment falloir qu'on gère au niveau des batailles. Parce que là on n'a pas d'argent, on n'a pas de ravitaillement. Alors au nord, il y a une armée ennemie qui va à Thor Induin. Ok. Toutes les factions mineures des rois des mers vikings d'Irlande deviendront tributaires de Bubla. Sans bruit. Alors, mission envoyée, mettre à sac une colonie. Aucun putain de problème. Déjà, ce qu'on va faire, on va se mettre en mode pillage. On va piller allègrement leurs terres. Ça en a moins 5, donc ça passe. Ce mec-là, il me fait chier quand même. Dû réduire l'influence, enfin demander à l'OI aussi directement, mais on gagne de l'argent, on gagne de l'argent, on a gagné également un surplus alimentaire, en sachant qu'on a toujours pas terminé la mine de cuivre, c'est plutôt pas mal. Là l'avantage qu'on a sur les Sinsin là, Sircine, c'est qu'ils sont en guerre sur plusieurs fronts, nous un seul. On est juste en guerre contre eux. Bon, il y a aussi les mecs au sud, mais ils sont pas importants, ceux-là. Passage des tours qui est toujours aussi long. Faction des trucs legging, ok. L'une de vos armées Fingale. Est à court de réserve. Faites en sorte de la réapprovisionner avant qu'elle ne soit minée par les désertions. Ah mais putain. J'arrive pas à comprendre comment récupérer les réserves. Faut vraiment que la province soit complètement à nous. Parce que là, faudrait qu'on retourne ici, ce serait énorme quoi. Mais ça m'embêterait parce qu'il faudrait que j'attaque mon allié. Il faudrait deux tours pour y aller. Prenez tout ce si on se met comme ça, ça ira pas des minces. Écoutez, on va rester comme ça. Pas moyen d'assassiner ses partisans. Si, il y a moyen. Non, je suis pas dans diplomatie. C'est dans faction. Donc c'est ce mec-là qui m'emmerde. Je peux l'assassiner, mais ça coûte plus cher que si je sécurisais la loyauté, donc ça sert à rien, quoi. Alors, ta gueule, un gouverneur. Mais inscrit, du coup.
plus en gouvernance avec un peu plus de pognon. Tac. On va attaquer ces mecs là après juste directement et peut-être remonter jusqu'à Thorinduin, ça pourrait être intéressant pour récupérer la capitale provinciale. Comment fonctionne le ravitaillement par contre? Amener les partisans de ta famille. Ouais. Je sais pas si j'ai envie de les adopter, tu vois. J'ai les nuls le mec. Je crois qu'il faut que tu ailles dans une ville à toi. Erchardan, c'est une ville à moi. Il s'est pas ravitaillé, le gars. Attends, je suis resté un bout de temps. Oh, tu te fous de ma gueule. Atoll, c'est qui, là, les opticiens? Attends, mais c'est lequel, là? Attends, mais t'es qui, toi? T'es où? C'est chiant par contre, je vois pas qui c'est. C'est lui? Non. Non, désolé, mais non, faut arrêter de déconner. Hein. J'ai pas envie de te péter là-dedans, d'entrer en guerre contre tout le monde. Perdu, ouais, normal. J'ai les neiges, allez, vas-y. Allez, continue. Continue. Pour la victoire. Alliance Mitar, bah, tu m'étonnes, t'as vu tout ce que tu veux faire, espèce d'enfoiré. En plus, il a pris Thorinduin. Allez, on va continuer à attaquer. On va y aller directement, on doit piller pour une quête. Soumettre aussi pour avoir un état tributaire et avoir un petit peu plus de tribu là. Ça pourrait être sympa. Est-ce que je le pille? Non, on va occuper parce qu'on a plus. Dispose d'un nouveau domaine entré en possession du roi. Qu'est-ce qu'il donne? Peuvent être accordés à d'autres nobles sur l'écran de faction. De faction. C'est très bien ça. S'assurer leur loyauté. Bon, est-ce que tu veux bien remonter le ravitaillement, s'il te plaît? Je suis pas en territoire allié, je suis dans mon territoire. Je pense que tu irais bien comme ça pour avoir un peu plus de ravitaillement en ce moment-là. Tac, on va faire ça. Ah, j'ai peut-être pas de bâtiment de ravitaillement ici, c'est peut-être ça. Hein. À mon avis, c'est ça. Là, ça donne du ravitaillement. La fosse à grains. Le moulin également. L'hall des impôts qui donne du ravitaillement. Pourquoi pas? Je pense que c'est ça. Il y a même de grandes chances. Je voudrais quand même faire une unité supplémentaire. Que je ne peux plus subvenir à leurs besoins. Et c'est dans 8 tours. Faut que j'aille là en fait. Et ça me prendrait mais tellement longtemps. 1, 2, 3, 4, 5 tours. Ça fait beaucoup, 5 tours. Contre le gel pendant 4 tours alors qu'après ça va être le printemps, j'y crois moyen. En fait, limite, je me dis, il faudrait que je fasse la paix avec les mecs autour de moi. Et que j'aille plutôt peut-être attaquer l'Irlande.
pays de Gahuni, ok. Le sang de nos ennemis va couler. Voilà, donc je perds plus d'hommes. Alors, je ne dirais pas une paix. Parlez, ne me faites pas perdre patience. Insultant. Tu veux quoi? Un peu de pognon? Je sais pas combien j'ai. 2000. Insultant, putain. J'ai pas super envie du coup de continuer à me battre contre lui. Ah, je suis remonté rang de force 8, c'est pas mal. C'est pas mal déjà. Peut-être attaquer ces mecs là en fait. Rang de force 5. Et toi? 16. Déjà ils seraient plus prenables. Les alliés sont quoi? Rang de force 9. Eh, je suis en guerre contre Westerna en fait. Attends, non. État tributaire du... Ah, du North Leda, d'accord. Magie, je te déclare la guerre, toi. Tech North Leda, d'accord. Parce que c'est un état tributaire, c'est un vassal, quoi. Bon. Mais pas super bien. Ici, ça va nous coûter pas mal d'argent. Ça va pousser un peu l'industrie, mais rien de très important. Peut-être à la limite. Booster ravitaillement, ça pourrait être intéressant. Production de nourriture ici. Ce sera moins de. Bisous, orang, orok. C'est quoi ça? Domaine du droit. Ça coûte de l'argent. Richesse et revenu 0. Pourquoi? Parce que j'ai pas la capitale. Je pense que c'est ça, c'est parce que j'ai pas la capitale provinciale que le revenu est 0. Du coup là c'est pareil. Nos adversaires seront vaincus. Ah, ta gueule, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Non, revenu sens. Ah oui, non. Parce que je ne produis rien. Également. Pour avoir du revenu. Non, parce qu'en plus, non, je suis con. C'est moi qui ai la capitale provinciale. Toutes les régions de la province. Je serais bien la grange. Plus 25% de reconstitution d'unité. On va faire ça. Nous réussirons. Alors, on a plus de pognon. C'est étonnant. Bon, on devrait commencer à attaquer du coup les Circines. Je sais pas trop par où. Ouais, bah on va aller attaquer Ridin, je pense. Hein. Rose Cuisine. Ok. Et la capitale provinciale, si, c'est une zone portuaire en plus. On pourra avoir un port en plus. On va essayer d'avancer par là. On va attendre un peu, peut-être. Recruter une unité supplémentaire juste au prochain tour. Et on va se quitter là pour cet épisode. J'espère que vous aura plu. On se retrouve dans la suite. Bisous.